Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve cette fois-ci sur Xbox One, ça faisait longtemps. Et on se retrouve pour, comme vous le voyez, Halo 5 Guardians. Donc là on est le 27, jour de sortie du jeu, jour de sortie officielle, parce que moi, ouais, dans ma ville j'aurais pu l'avoir depuis un bon moment. En fait là on est mardi 27, j'aurais pu l'avoir depuis vendredi dernier, mais il était 20€ plus cher que là où je l'ai eu, donc j'ai préféré attendre, voilà. Et les mises à jour et les installations sur cette console sont quand même bien galères, hein, il faut l'avouer. C'est très très long. Oui, est-ce qu'on peut juste jouer? Alors, il y a déjà un truc que je voudrais dire, c'est que sur cette version, ils ont enlevé un truc que j'aimais beaucoup des Halo depuis le début. Le premier, je l'ai fait avec Jérémy, que vous connaissez, enfin, vous l'avez peut-être pas encore vu sur YouTube. On l'a fait plusieurs fois en coop, le 2 pareil, le 3 pareil. Et là, vous avez un menu coop, là. Sauf que, en fait, ils ont tourné le jeu multijoueur, puisque dans la campagne, vous verrez, normalement, on sera accompagné d'un ou deux autres personnages tout le temps. Mais il n'y a plus de multilocal, on peut plus jouer en écran splitté. C'est complètement con. Et par contre, on a une coop en ligne, donc les deux autres personnages, au lieu d'être joués par l'IA, ils peuvent être joués par deux autres mecs. Après, on a le multijoueur classique. On n'ira pas, hein, je pense pas. En plus, j'ai même pas le live gold. J'ai eu un truc d'essai de 15 jours, j'ai rentré le code et je sais pas ce que ça m'a marqué. Enfin, j'ai pas l'impression que ça ait débloqué quoi que ce soit. Et on a communauté, donc il y a une chaîne, visiblement. Il y a un truc centre Spartan, on va aller regarder vite fait ce que c'est. Ouais, ok. On peut personnaliser l'avatar, tout ça, ok. On va se lancer tout de suite. Je serais tenté de mettre déjà héroïque, mais on va laisser en normal pour la vidéo. Parce que je sais pas si celui-là, ils ont augmenté la difficulté ou pas. Apparemment, ils ont changé un petit peu le gameplay, qui était toujours le même depuis... Depuis le début, à peu près un gameplay assez lourd, assez à l'ancienne, pas de sprint, des grands sauts, puisque on avait le Spartan, il pouvait faire des grands sauts, pas de sprint et tout, c'était lent et tout, mais en même temps le jeu était assez assez vif et tout, donc ça passait très bien comme ça. Et là apparemment ils ont ajouté un sprint, ils ont ajouté pas mal de choses comme ça, donc on verra bien. Ah, petite cinématique, on va se laisser là, enfin je vais me taire 2 minutes. Spartan Locke. J'ai passé assez de temps au sein de l'ONI pour savoir à quoi m'attendre. Quand ce sera fini, après tout ce que j'ai fait, ils vous donneront l'ordre de nous tuer. C'était assez bien foutu cette cinématique, hein. Les visages et tout. Voilà. Et donc c'est 343 Industries depuis Halo 4. Au cours des 72 dernières heures, 5 colonies ont été touchées par des incidents similaires. Destruction massive d'origine Forerunner. Le docteur Catherine Elisabeth Halsey a réussi à nous contacter. Elle dit détenir des informations sur ces attaques. Halsey est actuellement détenue par les Covenants sur la planète Kamchatka. Votre mission est de franchir les lignes ennemies, récupérer Halsey et la ramener sur l'Infinity. Une dernière chose, Halsey est accompagné par le chef suprême des Covenants, Julem Dama. Si l'occasion se présente... Entendu, commandant. Bonne chance, Spartan Locke. Infinity terminé. Pistage activé. Affirmatif. Hey, avant qu'on fasse le grand saut, quelqu'un veut dire un truc?
Si Dieu perçoit ma peur de là-haut, il est sans doute pas le seul. Lac, tu paieras ta tournée quand on aura terminé? Ta soif, tu paies. Équipe Osiris, on a le feu vert. Pas mal, ça commence pas trop mal déjà. De toute façon, on sait que 343 Industries, c'est leur, leur point fort, la mise en scène. C'était un peu le défaut des précédents Halo. On connaît bien les ennemis. On joue direct. Ok. Ils arrivent. Wow. On aurait pu les avoir. J'ai me dégagé une oreille parce que. Hey, surveillez les autres. Je m'entends pas. Affirmatif. Buck, Tanaka, montez la garde. Ok. Ok. Alors attendez, je regarde un petit peu les commandes. Ah, vous voyez? Ça, c'est un nouveau truc. Par contre, je peux le faire. Est-ce qu'il y a une jauge ou quelque chose? Ouais, ok. Là, on change d'arme. Ouais, voilà. Donc, on peut se trafer maintenant, comme ça. On peut toujours s'accroupir. On a toujours des sauts assez grands. Ça, c'est pour changer d'arme. Ça, c'est pour recharger. Là, c'est le corps à corps. Là, ça doit être les grenades. Là, c'est pour viser. Pour tirer. Alors ça c'est un scan. Je sais pas si ça sert à localiser les ennemis ou pas. Et vous voyez donc j'ai ces deux persos avec moi et ils peuvent être joués donc. Enfin c'est trois même il y en a un autre là. Ils peuvent être joués par d'autres personnes. Alors j'espère que l'IA est pas trop débile. Succès. Piste la place maintenant, il m'intéresse pas. Je prends mon temps, hein. Je regarde un peu partout, j'observe. Hein. Je découvre le jeu aussi, moi j'ai même pas regardé de stream, j'ai rien regardé. Du coup... Ah merde, par contre là je l'ai pas fait exprès. Donc du coup je connais vraiment rien du jeu. Elle a dit qu'il se préparait quelque chose. Ah, regardez tout ce qui se passe là à l'écran. Ça tourne 60 images seconde. Ou alors c'est un piège. Et ça fait plaisir. Comme quoi, quand on tombe sur des mecs et des équipes qui savent bien bosser, bien exploiter les machines, on peut faire de très beaux trucs. J'ai un visuel.
visuel. C'est quoi ces petits là? Ils sont nouveaux ceux-là. Ah, il y a les vibrations dans les gâchettes, je crois. Ah oui, il y a les vibrations dans les gâchettes. Ah, ça c'est génial. Ça, vous le savez, c'est... Il y a des gens qui disent que c'est un gadget. Mais moi, dans Forza, j'ai adoré ce truc. Et là, là, je trouve ça stylé encore. Quand je tire et quand je prends des balles, ouais. Il y a des vibrations différentes dans les gâchettes que dans le reste de la manette. Ah, j'ai plus de munitions déjà. Ah ouais, par contre, faut faire attention, visiblement. Encore des renforts ? Ça marche. Sur quoi elle tire, elle ? Ok, donc là, il n'y a que ça à faire, il n'y a pas... Est-ce que je peux monter comme ça ? Non. Oula. Ah, on peut monter d'ici. Il n'y a rien d'autre à faire avec ces trucs-là, c'est juste pour récupérer un flingue. Ok. Je prends mon temps, je prends mon temps, je regarde. Hein. Comme ça, en plus, ça, je vais pas trop vous en montrer comme ça non plus. J'explore, j'explore. Un truc là-haut. Je l'ai blessé. Avançons vers la position d'accès. C'est pas mal stylé quand même le sprint. Je trouve que ça apporte justement au gameplay un peu lourd de Halo. Attendez, hop, voilà, je dégage mon oreille parce que je m'entends pas parler. Je trouve que ça. Ouais. Ça dégage du. C'est quoi donc l'éradicateur? J'aime bien le nom que ça porte, ça m'intéresse. Je trouve que ça apporte un peu de vivacité et tout au gameplay. Des soldats sur la falaise, traquez-les. Donc c'est plutôt cool. Ouais, bah ça j'ai compris, tout seul, t'inquiète. Les soldats se sont téléportés à travers la glace. Ok. Du coup, faut qu'on y aille, nous, par là. RB, c'est quoi, RB? Je joue tellement pas, là. Voilà. Merde. Attendez. RB, bah c'est ça, pourtant, RB. Ah, faut sprinter en même temps. Bah, je sprinte là. Voilà. Désolé, c'est le temps que je. Je prenne le truc en main. Il y a des ennemis qui ont l'air assez résistants. Alors, le jeu prend à peu près 50 gigas. Sur le disque dur, il prend 41 gigas. Je crois. Et après il reprend 9 gigas pour la mise à jour. Donc une mise à jour qui vous empêche de lancer le jeu même en solo tant que vous ne l'avez pas faite. Du coup c'est un peu galère. Des Prométhéens partout. On peut charger au centre mais ça sera risqué. Ouais, c'est des nouveaux trucs ça. Formation tactique. J'ai pas vrai. Le 4 je l'ai pas trop fait hein, donc ça se trouve sont peut-être dedans. Le dernier que j'ai vraiment fini c'est le 3. Après Halo Reach et Halo 4 j'avais plus de Xbox 360. Du coup j'ai pas pu trop y jouer. Après Halo 4 je l'ai fait un petit peu quand j'ai racheté une Xbox. Mais c'est vrai que j'ai pas pu. Je l'ai pas eu assez longtemps et. J'ai pas pu trop le finir. Donc si ces ennemis-là étaient déjà dedans, bah je... Moi je les connais pas.
Ouais, là-bas. Je l'aurais jamais d'ici. Faut qu'on s'approche. Bon, ça va, là, c'est pas en normal, c'est pas trop difficile. Je vais m'occuper de l'autre là-haut parce qu'il nous saoule un peu, lui. Putain, il nous a fait quoi, là? Ah, ils se téléportent, eux, hein. Par contre là je vais crever si je me barre pas un peu d'ici. Pourtant j'ai fait j'ai essayé de faire le truc sur RB. Voilà, ok. Oui, bah reste pas devant, écoute. Bon, ça pète dans tous les sens. Et ça a l'air de rester très fluide. Wow. On avance par là. C'est bien parce qu'ils me suivent pas forcément, mes collègues, mais ils ont l'air quand même de buter du monde. Ah d'accord, faut viser avant avec ce truc-là. Par contre, faut que je me barre là, parce que je vais crever ici. Vous voyez, ça marche toujours de la même manière. Il y a une jauge de vie, une jauge de bouclier. Oh merde, oh putain, ça tirait derrière moi. Ils sont trois là-bas. Ouais, faut faire attention quand même, hein. On se fait vite allumer, hein. Grenade. Voilà. Secteur dégagé. En avant. Beau travail. On y va. Faut ramasser des munitions. Dans le briefing. Depuis quand le docteur Alcé a perdu son bras gauche? 7 joules. Quand et pourquoi, je l'ignore. Heureusement qu'il n'était pas énervé. Sinon, c'est sa tête qui l'aurait coupé. La porte est bien fermée. Une station de sécurité Forerunner, sûrement en bouclage. Un moyen de la lever? L'Artemis peut analyser les systèmes Forerunner. Il y a peut-être un moyen d'ouvrir cette porte. L'Artemis? Encore un gadget de l'ONI? En quelque sorte. J'ai convaincu le commandant Palmer de nous fournir des prototypes. Et donc? Où est-ce qu'il faut qu'on se tire? Système analysé. Il y a un interrupteur de désactivation en haut de la salle. Et donc faut qu'on aille là-haut. Et qu'on trouve un interrupteur de désactivation. Je suppose qu'il faut que j'aille là-bas. Oula oula, je me suis précipité. J'ai sauté une fois de trop. Je
me suis précipité. Voilà, je pensais pas que un seul saut comme ça, ça suffirait. Voyons, ça devrait le faire. Peut-être pas que je reste sur ce truc, mais vous voyez là, par exemple, il y a un chargement, un point de contrôle, tout ça, et on... On voit pas la différence, quoi. L'Artemis a marché. Locke, écoute un peu ça. On donne l'assaut sur l'arrière du temple. Sortez le Kraken. Où on y va, là, on avance ? Bande de pines. C'est assez joli quand même. Voilà le Kraken. Quoi qu'en où? Tenez vos positions. Gagnez du temps. Jules sait plus quoi faire. Dis-moi où t'as appris à parler Sangeli, Vale. Quand j'étais gamine, je me suis retrouvée coincée à bord d'une navette diplomatique. Si long mois à dériver, perdu au beau milieu de l'espace. Alors j'en ai profité pour apprendre. Bah c'est bien, ça nous est bien utile aujourd'hui. C'est pas mal ce système pour grimper comme ça. Je crois que ça c'est des trucs à découvrir. En plus. Notre objectif est de l'autre côté de ce champ de bataille. Attention, ouais. Kraken. Les Covenants essaient de s'en servir pour forcer les lignes prométhéennes. J'aimerais pas être coincé entre les deux. Eh ben on y va, on les défonce. Alors on ne voit plus beaucoup, il y a la lumière qui baisse, hein, je suis désolé. Il est 5h30 et bon bah comme on a changé d'heure et tout, il va faire nuit assez tôt. Du coup la caméra a pu capter grand chose à un moment. Je crois qu'il faut que j'avance, hein. Pas le choix, hein. Alors s'il y a un petit peu de bruit derrière moi, c'est normal. Comme d'hab, il y a un des chats. Ah, j'ai du mal avec ce truc-là. Pourtant, je sprint, hein. Voilà. Coucou. Oh, ça tire dans tous les sens. Là-dedans, il n'y avait rien, mais bon. Waouh, 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 je me fais aligner. Alors, elle est pas mal cette arme. Il y en a un là-haut. On continue en direction d'accès. Oh, une fois que je le défonce, par contre, il peut plus bouger le pauvre. Les enfants sont en train de déguster. Mais ils ont l'air de pas mal tirer du tout, hein. J'ai plus de munitions ? Merde. On va prendre ce fusil, hein.
Ah, ça j'aime moins déjà. On va essayer d'avancer. Par contre, c'est assez puissant. Hein. Visiblement, ça rigole pas. Ça va, mes collègues gérés par l'IA, ils m'aident. Je pense qu'en... Ouais, j'aime pas ce fusil. Je pense qu'en multi, ça peut être assez marrant, quand même. Enfin, assez marrant. Ça peut être... jouer au casque et tout, avec des gens qu'on connaît, tout ça, ça peut... Ça peut être pas mal du tout. On n'est pas en face des mêmes ennemis là, tout à fait. Et un rampant en moins. Waouh, 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 ils m'ont vu direct. C'est quoi ce bordel? Putain, j'ai plus de munitions là non plus. Tiens, tiens. Défonce moi. Ouais, soldat touché, ouais. Ah, c'est ce machin là-haut qu'il faut éclater là. Ah putain, faut que je me planque. C'est chaud quand même, hein. Il y en a une de moins. Ah, faut que je m'occupe des tourelles. Ouais, bah essaye de résister. Je vais aller m'occuper de l'autre, là. Il est plus là. Alors balance des grenades et puis moi je vais les prendre de là. J'ai plus de munitions déjà. Oh, je l'ai raté. Ah putain. Attention quand même, ils sont costauds, hein. Alcey et Ndama sont quelque part. On est à 28 minutes. Faisons d'une pierre deux coups. On ramène notre cible à bon port et on liquide les Covenants. On va continuer encore un peu. L'autorité de Ndama a dû en prendre un coup quand les Prométhéens se sont retournés contre lui. Lui qui avait joué la carte du prophète Forerunner. Jule Ndama est un opportuniste, pas un meneur. Il nous a pas suivi l'autre. Était condamné à péricliter depuis le début. S'il avait pu péricliter plus vite, ça aurait pas été plus mal. On se rapproche d'Alcey. Mais non, mais... Ah, j'ai pas fait X pour recharger. J'ai obtenu les scans de deux nouveaux glyphes Forerunner, dont un totalement inconnu. L'analyse du deuxième a révélé des similitudes avec un ancien symbole sanguélier. Le symbole en question évoque l'existence d'un monstre qui sommeille dans les entrailles de la Terre et ne doit surtout pas être réveillé. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vient faire le signal dans tout ça. Regardez tout ça, là. La spatialisation est bien foutue aussi. C'est pour ça que je me tournais un peu à gauche et à droite. C'est pour écouter un peu la spatialisation du son. C'est pas mal aussi. Le chevalier. Oh putain.
Son armure est endommagée. Feu ! Je viens de me faire exploser. Alors voilà, est-ce que l'IA le fait ? Oui, l'IA le fait aussi, ça. Ah, c'est... On peut désigner des ennemis comme cible et tout. Tuez le chevalier. Compris. Ah ouais, c'est bien ça. Ils nous la font vivant. Ouah, il fait quoi lui? Ils sont fous eux. Cassez-vous. Ah merde, du coup je peux pas le sauver lui. Oh merde, oh merde, oh merde. Ouais, ouais, mais lui aussi il m'a bien blessé. Merci Spartan. Wouah, on se fait saigner dans tous les sens. Wow, 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 c'est chaud, hein. C'est là qu'ils sont vulnérables. Ouah, bah je vise ce que je peux, là. Je vais crever encore, je vais crever. Faut que j'arrive à me planquer. C'est chaud, hein. Ils sont stylés quand même, non? Il y en a un qui est mort déjà. Oh, mais il y en a deux autres. Enfin, il y en a encore un autre, là. Putain, oh là là. Ah, faut tirer dans son point lumineux, apparemment. Faut pouvoir le viser aussi, hein, son point lumineux. Hop, je crois qu'il est mort. Bah ouais, je sais qu'on est dans le même camp, mais je fais comme je peux. C'est chaud, hein. Mais c'est des vrais combats assez intenses, c'est tout. Du coup, c'est pas mal du tout. Ah, celui qui est mort, il est revenu. Faut aller par là. Attendez, je vais faire le tour parce que... J'ai plus trop de munitions. C'est chaud du cul, un peu, hein. Je pense qu'on va s'arrêter à la fin de cette première mission. Ça vous donnera déjà un bon aperçu du jeu. Il y en a plusieurs. Souhaiteriez-vous qu'on débatte des subtilités de la reconstruction temporelle? Les humains et leur sarcasme. Au moins, vous aurez appris quelque chose. Vous prétendez pouvoir accéder... En effet... Toutefois, je n'ai jamais prétendu que je pouvais y accéder instantanément. Votre sécurité est menacée. Vous prenez une décision. Et vite. Vous feriez bien de vous témoigner le respect dû à la main du didacte. On dirait bien que vos doigts font de la résistance très honorable. Assez ! Bon, je suis désolé, la caméra pixelise. Cible en vue. Mais il fait trop noir. Dès qu'elle enverra une autre transmission, il faudra triangler. Ça suffit, docteur. Ça fait des semaines que vous courez après un fantôme sans aucun résultat.
coup. Mais c'est stylé toutes ces nouvelles attaques, sauter, tout ça. Bon, j'ai du mal à maîtriser là. Mais une fois qu'on les maîtrise, ça peut être pas mal. Et franchement, même de pouvoir sprinter, tout ça. Ils ont bien renouvelé le gameplay et... C'est pas mal. En fait, on dirait des Covenants, mais bah, qui ont évolué technologiquement aussi. Oui, bah ça va, dis, on aurait pu te laisser crever aussi. Encore un succès. Équipe Osiris, vous pouvez atterrir à l'aire d'amarrage numéro 11. C'est assez joli, ça va. Il y a peut-être un poil d'aliasing sur le fond. Mais ça va. Plutôt joli. Parce que on va dire que c'était pas le gros point fort de Halo jusqu'au 4. Parce que même Halo 3 sur 360, il était pas mal, mais... Je vous avais prévenu. Nous en discuterons en privé, docteur. Palmer. Qu'a-t-elle fait au juste? Mais elle est allée jusqu'où? Bien joué, Osiris. Qu'est-ce que vous dites de ça? Là, des mecs ont bien bossé quand même. Ça reste fluide et tout. Les chargements sont rapides. S'agiter comme ça depuis qu'on a fait nos classes. Tout ira bien, Fred. J'en doute. Le surmenage, c'est pas bon. Sierra 117 à Infinity. L'équipe bleue a localisé l'Argent Moon. Il y a une présence ennemie à bord, mais il n'a pas bougé. Bien reçu, 117. Éliminez tous les ennemis et sécurisez l'Argent Moon. Déploiement autorisé. Affirmatif, Infinity. 117 terminé. Ah, puis la bande son est vraiment énorme. Les musiques, même les dialogues tout en français. Les musiques, de toute façon, dans les Halo ont toujours été énormes. On va s'arrêter après à la fin de cette cinématique. On s'arrêtera là. Je vais pas continuer de vous montrer la suite là. Et ouais. Nickel. Ah putain, l'arrivée stylée, n'empêche. Bon, ce principe d'être à plusieurs, c'est pas mal. Même avec l'IA. Allez, on va s'arrêter là. On peut sauvegarder, voilà, directement et tout. On va s'arrêter là. Je pense que je vous en ai montré assez. Une mission, ça suffit pour que vous puissiez voir le jeu. Je veux pas trop vous en dévoiler non plus. Moi, je vous le conseille, évidemment, là, de ce qu'on a vu là. Franchement. Après, faudra voir sur la longueur. Bon, c'est dommage, il n'y a plus de split screen. Mais je pense qu'en plus, y jouer avec ses potes, là, en coop, ça peut être très très bien. Donc, après, on va se retrouver bientôt, là, quelques jours après, pour WWE, de nouveau, sur PS4. Et
Après, je sais pas, il y aura sûrement d'autres petits trucs. Et il y aura... comment dire? Il y aura du Tomb Raider, après on se retrouvera sur Xbox One avec Tomb Raider, mais je pense qu'entre deux, il y aura des trucs. Il y aura peut-être Call of cette année, mais je suis pas sûr en fait, finalement. Je l'avais réservé, mais j'ai annulé pour l'instant, parce que j'en suis pas sûr. Je suis pas du tout fan de Call of, je n'achète jamais Call of. J'avais essayé la bêta cette année, je voulais l'acheter, mais j'en suis vraiment pas sûr en fait, donc on verra. Et on est en train de faire une série avec Jérémy sur The Forest. Je sais pas quand est-ce que vous verrez les premiers épisodes, on en a déjà tourné 5. Je sais pas quand est-ce que sortiront les premiers, mais en tout cas, il y aura une série The Forest. Donc on va se laisser là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.